Merci, bonjour. Merci pour votre projet. On me demande pourquoi je suis là, je ne sais pas, mais parce que ça me plaît d'être là, ça me plaît d'être avec vous. Je sais pas, on peut dire, cette année des jeunes. On est tous toujours jeunes quand on fait de l'agroécologie. J'ai eu une émotion hier en arrivant. Parce que je me dis, ah, mais c'est dans ce restaurant-là que j'avais bu du Mâcon il y a 15 ans quand je démarrais en viticulture, et ça avait été une grande émotion. Parce que la dame, qui était probablement la propriétaire de l'établissement, qu'est-ce que vous voulez voir? Je ne sais pas, c'est vous qui allez me dire ce que je vais voir. Je suis à Mâcon et vous allez me faire écouter les vidéos, effectivement. Depuis que j'en ai revu, vous inquiétez pas. J'ai continué. Donc voilà, c'est l'anecdote, mais l'anecdote c'est aussi ça, c'est aussi la vie, c'est aussi le produit, c'est aussi les rencontres, les échanges. Donc voilà, on va essayer modestement. Moi j'ai pas de recettes, j'ai ni de recettes, ni de leçons. Le projet, vous allez le construire, on va participer modestement, peut-être faire un peu d'appui technique de temps en temps si besoin, parce que les conneries, vous comprenez bien qu'on les a faites depuis 32 ans. Arbre et paysage 32, fête, c'est 32 ans cette année, on n'a pas pu fêter les 30 ans, donc on va fêter les 32 ans. On voit à peu près ce qui se dessine, et vous l'avez très bien dit, c'est ces chocs climatiques qui sont d'une violence totalement inouïe. Donc commençons par le complexe, puisque vous avez bien annoncé la question. Nos unités montrent et démontrent malheureusement qu'on risque de perdre 40% de rendement tous les ans. On peut discuter du chiffre, peu importe, mais en tout cas c'est à peu près ça. On était à peu près 800 parcelles, toute forme de viticulture, l'importance de les faire converger, et on voit. Ce qu'on était aussi, et vous le savez, donc il est de notre devoir que de le dire, et c'est bien de faire cette mise à plat, à mon avis, c'est que 96% des parcelles de vignes en France perdent de la matière organique tous les ans, et donc du carbone. Le carbone, c'est le moteur de la vie. C'est le moteur de la biodiversité, de l'eau, du climat, du microclimat, du paysage et de la productivité. Vous avez insisté sur la productivité. L'agroécologie nous incite et nous invite à la productivité. Une vigne qui n'est pas productive, c'est une vigne qui se crève et un sol qui se meurt. Donc voilà, le sujet, il est là, il est posé. J'ai assemblé quelques images historiques, quelques images pratiques, quelques images techniques. Je vais respecter le temps pour qu'on puisse, je crois qu'il y a un temps d'échange après. Après, rassurez-vous, je n'ai pas tout goûté, donc je suis preneur de goûter encore. Pour que les choses soient bien claires, au cas où elles ne le soient pas. Je suis directeur d'Arbre et Paysage 32, je reviendrai un petit peu sur cette structure, il y en a d'autres. Je suis aussi président depuis peu de Carbone Fertile. Donc ça veut dire beaucoup. Carbone Fertile, c'est le Centre National d'Agroécologie. Alors, la vigne, les arbres, une longue et une belle histoire. Ici, ça tombe bien, on a du rouge, du blanc et des pommes. Et ça fonctionne. Pourquoi, comment, jusqu'à quand, dans quelles conditions? Est-ce que c'est ce qu'on fera, est-ce qu'on refera? Je ne sais pas. Je sais pas. Ce qui nous préoccupe, ce qui nous intéresse, c'est bien évidemment le modèle agronomique. Chacun fera l'itinéraire, chacun fera le cheminement, les expériences, les expérimentations qu'il souhaite, en ayant, de mon point de vue, cette colonne vertébrale agronomique en tête. Parce que c'est avant tout de l'agronomie. Et c'est ce qui manque parfois un petit peu. Si j'étais méchant, mais je ne le suis pas, ce n'est pas mon style. Je dirais que dans les 64 normes, labels, appellations et autres chartes, aujourd'hui dans l'Hexagone, il n'y en a pas une dans laquelle il y ait une once d'agronomie. Dans HVE, il n'y en a pas non plus. Dans la bio, il n'y en a toujours pas, etc. C'est pas grave, il faut juste qu'on la rajoute. C'est cette urgence-là, et peut-être que ces chocs climatiques nous obligent à regarder le coup d'après. Effectivement, on va faire le procès du passé, on peut écrire la suite ensemble. Donc voilà des gens qui s'essayent. Aussi, et j'ai mis volontairement cette première image en bas à droite, d'un vigneron qui laisse pousser les arbres dans la vigne. Parce qu'il ne va même pas les planter, il les laisse pousser. Ce n'est pas pour ça qu'il ne va pas les gérer, bien au contraire. Le liège, bien évidemment, et puis cette descente fine à la plante, de la génétique, de sa conformation, des techniques de plantation, etc. La place ou pas de l'animal dans cette boucle-là, j'y reviendrai rapidement.
puisque Laura, en chef, m'a demandé d'essayer, en tout cas, de préciser cet objet autour de l'agroécologie. Donc voilà une ville, pas loin d'ici pour le coup, en agroécologie. Cette vigne est en agroécologie. C'est-à-dire qu'elle n'est pas juste en agroforesterie. Parce que l'agroforesterie n'est juste qu'un simple maillon de la boucle agroécologique. Si vous faites de l'agroforesterie sans faire de l'agroécologie, vous prenez des risques énormissimes. Vous prenez le risque que ça ne fonctionne pas et vous prenez le risque de mettre la vigne en concurrence avec les arbres. De l'importance de caractériser cette entrée en matière sur l'agroécologie de votre point de vue, quelque chose qui est partagé, qui est compris, qui est connu. Je ne suis pas en train de vous donner de leçons, c'est comme ça qu'il faut faire. Il y a des unités importantes, il y a 45 personnes qui travaillent au quotidien sur ces questions-là, avec et autour de nous, pour préciser l'objet de l'agroécologie. Nous sommes une cinquantaine d'opérateurs dans l'Hexagone, la plupart des associations, des bureaux d'études, des chambres d'agriculture, autour de ce projet de l'agroforesterie du Conseil d'appui technique. Pourquoi je vous parle de ma structure? Parce que au centre, en haut, je vous ai mis de l'agroforesterie, une agroforesterie ici, qui produit de l'eau, qui produit de l'agneau, qui produit des glands, qui produit du liège, et qui produit du climat, un microclimat spécifique. Ici, c'est à Rabat, porte du désert. Et aux portes du désert, les arbres hydratent les milieux secs. Éventuellement, ça fait un peu de liège. Ça, c'est aussi de l'agroforesterie. Ici, on taille, on entretient sévèrement les châtaigniers. Ici, on mesure des résultats. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas les objectifs, le moyen, c'est le résultat. Le carbone étant le premier, le bilan unique, bilan carbone à la parcelle étant les premiers. Ma conclusion, c'est souvent de dire, buvez un canon pour sauver un vigneron, ça on le savait. Buvez deux canons de l'agroécologie, vous sauvez le vigneron, le sol et l'humanité et votre santé. C'est pas compliqué, je suis con, je donne la conclusion à la fin des vignerons. Bon, mais tant pis, hein, c'est fait, c'est comme ça, c'est ainsi. N'hésitez pas à m'arrêter hein, si vous le souhaitez, si vous voulez préciser, c'est pas forcément un monologue. Voilà. Ici, l'agroforesterie, c'est ça, c'est le bocage. Là, c'est une anecdote, je fais exprès de mettre, ça c'est Notre-Dame-des-Landes. Tout le monde connaît Notre-Dame-des-Landes, vous êtes ici à Notre-Dame-des-Landes. C'est un paysage agroforestier de bocage. Qu'est-ce que je peux vous dire de vous voyez, la plantation, les techniques de plantation. Aujourd'hui, clairement, un arbre sur deux planté n'ira nulle part. On n'aidera pas le vigneron et encore moins le viticulteur. De l'importance de caractériser les projets. Ces chocs climatiques, le choix, l'adaptation, la projection à 50 ans, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je fais la critique de mon métier, en disant attention à ce que l'on plante, dans quelles conditions, avec qui. Je peux te dire qu'il va aussi falloir qu'on plante la vigne pour 100 ans, quand on commence à la renouveler au bout de 12 ans. Il y a des petites choses sur lesquelles il va falloir faire des ajustements. Cette liane, elle a coévolué avec l'arbre, et elle ne peut pas se passer de cet environnement-là. Qu'il soit aérien ou souterrain, elle ne peut pas s'en passer. Donc, il faut qu'on trouve, encore une fois, ensemble, le juste milieu, les justes conditions pour que ça se passe bien. Pour que l'arbre soit amortisseur, régulateur, producteur, pourvoyeur, accumulateur, tout ce que vous pouvez imaginer. Et puis j'ai mis une étiquette que vous connaissez, une forme de viticulture dont vous avez entendu parler, peut-être vous avez goûté les flacons. Je l'ai mis ici parce qu'une de nos unités travaille sur la viticulture face à l'aridité. Et aux portes du désert, on a des vignes en nid, allongées, etc. En réserve. Et on s'oblige à regarder ça, parce qu'on se dit, mais pourquoi elles tiennent le choc? Pourquoi elles tiennent le choc avec 320 mm d'eau? C'est pas le modèle qu'on va reproduire, mais d'un point de vue technique, c'est hyper inspirant.
c'est hyper inspirant. Ici, nous avons semé les pépins. Nous avons enfin retrouvé le système racinaire originel de la vie, qui a bien un pivot. Et là aussi, il y a peut-être quelques ajustements à faire sur cette question-là. Dans l'agroécologie, on va beaucoup parler de génétique, on va beaucoup parler de conformation, de période, de technique de plantation, d'état du sol quand on plante la vigne. Je pense qu'on plante la vigne trop tard, je pense qu'on plante la vigne un peu trop profondément, je pense qu'on plante la vigne avec des systèmes racinaires qui sont déformés par le poil hormoné. Je pense qu'on plante la vigne à la machine un peu vite, parfois. Moi, j'arrache toutes les semaines. Comme j'arrache toutes les semaines, je trouve des défauts. Et l'agroécologie avec des défauts, ça ne fonctionne pas. Ou si peu. Si vous avez des vignes qui sont en cours de strangulation, je vous ai épargné les photos, parce qu'elles le sont presque toutes, vous allez les mettre en concurrence avec les arbres et vous allez croire que c'est l'arbre qui pose le problème. Moi, je ne prends plus aucun contrat sans analyse fine de l'état de la vigne. Tu vas m'arracher des pieds vivants, bien sûr. S'il faut que je te les replante, c'est pas grave, mais je vais en arracher quelques-uns. Pour moi, dans l'état absolu, cet état des lieux est hyper important. Il ne faut pas faire porter le chapeau à d'autres plantes. Ah, mais les couverts végétaux font la concurrence à la vigne. Pardon, un bout d'herbe de 8 cm, concurrence à la vigne. C'est un problème. Si vous l'avez vu. Finir de présenter notre équipe première dans la fosse, ici, dans le Var, c'est Konrad Schreiber, sur les couverts végétaux et la dynamique du sol. Ici, c'est Hervé Coès, éminent spécialiste des systèmes mycorhiziens et de la vigne en particulier, pourquoi la vigne a 24 champs mycorhiziens et à quoi servent-ils et comment ils nourrissent la vigne. Marc-André Sello, dont vous avez peut-être entendu parler, pour la viticulture, ce sont les mycorhizes qui font les courses pour la plante. La racine sert quasiment. Ce sont les mycorhizes qui font les courses. Aspirent le manque et propulsent les excès. Et puis le dernier ici, qui laissera sûrement son nom dans l'histoire de la viticulture, c'est Marceau Bordarias. Marceau Bordarias nous explique qu'une vigne, ça se taille un petit peu différemment de ce qu'on a fait jusque-là. Et ça se met systématiquement en réserve, parce que qu'une vigne repart sur ses réserves. Alors, la vigne, l'arbre, le bois, le chêne, le fût, je vais passer un petit peu vite là-dessus, le lien avec le solosier. Et puis à l'autre bout du monde, pour faire vite, mais pour le montrer quand même, à l'autre bout du monde, on récolte dans les arbres. Les plus fous iront jusque-là et ils auront peut-être raison d'être fous. Qui sait, des fois, il faut être un peu fou. Il suffit, on l'a été souvent, il suffit de mettre le mot expérimental. Sinon, vous êtes emmerdés. Est-ce qu'on est dans les cahiers des charges ou est-ce qu'on va passer dans les cahiers des propositions? Question qu'il va falloir regarder de près. En tout cas, il y a du raisin et il y en a autant que la parcelle à côté qu'elle va manger à la machine. Il y en a autant. Il y a une gestion extrêmement fine, et vous le savez, la vigne, les pieds à l'ombre, la tête au soleil, c'est bien la quantité de lumière qui tombe sur le bourgeon l'année précédente qui fait la fructification. Si les arbres ne sont pas taillés, vous avez de belles vignes, de beaux arbres, mais pas de raisins. L'arbre, à ceux qui nous disent « je vais planter, je fais comme ta vie, comment j'ai dit, mais je vais planter », là, tu n'auras plus de raisin dans 8 ans. Ah. Quand on parcourt l'histoire, quand on regarde les écrits des uns des autres, de Cuillon en particulier, et plein d'autres, peu importe, il y a des traces intéressantes. De tout, dans tous les sens. Le passé est très inspirant. Très, très inspirant. On sait pourquoi ça a marché, on sait pourquoi ça n'a plus marché. Et c'est très, très intéressant de regarder. C'est aussi intéressant d'aller à l'autre bout du monde, ou éventuellement en Espagne, ou éventuellement en Italie, dans la région de Venise, pour voir ces associations.
ces associations de plantes, elles existent encore, y compris en conditions difficiles et sèches. Donc il y a pourquoi ça ne marche pas et comment ça fonctionne. De l'importance, hein, de l'importance, et on le voit ici avec votre projet, du groupe, de l'animation de ce groupe, de la récurrence des infos. Je serais tenté de dire qu'on est tous porteurs d'une bonne solution. Quand on agrège toutes ces petites et bonnes solutions, ça donne des trucs intéressants. Alors voilà un arbre. Il y en a beaucoup dans le coin. Voilà un arbre. C'est une trogne. Alors hier, j'en ai vu partout. J'étais content, hein. C'est un bonheur. Hein. Du macon et des trognes. Qu'est-ce qu'il y a de plus, hein? Qu'est-ce que tu en penses? D'accord. Tu ne vas pas me contredire, hein, fais gaffe. Donc, voilà un arbre, voilà une trogne avec son système racinaire. Et voilà le même, dans l'autre sens. Vous voyez le lien, les similitudes? Il suffit d'inverser l'image. C'est plus la même. Enfin, si, c'est la même. Et oui, la vigne, on la trogne beaucoup, on la taille beaucoup, on la gère, on la contraint, etc. etc. Et l'arbre aussi. Peut-être qu'il y a là aussi quelques ajustements à faire. Alors, ces paysages stockent beaucoup de carbone. Je reviens avec cette image que vous avez vue. Et puis, une seconde, et puis une troisième. Ici, j'ai essayé. Les photos sont interdites, madame. Mais dans cette blague. Diffuser, faites savoir. Évidemment. J'ai mis sur cette image le triptyque. Le triptyque, puisque c'est la commande. Le triptyque de l'agroécologie. Si vous en voulez une définition claire, nette et sans bavure, l'agroécologie, c'est la couverture végétale des sols, la plus possible. À chaque fois qu'on travaille le sol, on le bousille et on évapore le carbone. Donc il faut apprendre à arrêter de le travailler. Ce n'est pas toujours simple, hein, et ce n'est pas du jour au lendemain. Le pilier premier de l'agroécologie, c'est la couverture végétale des sols. Le second pilier, c'est l'agroforesterie. Et le troisième, c'est la taille dite douce de mise en réserve, la conformation du plan. C'est ce triptyque-là qui fait qu'on peut envisager de rentrer dans ces pratiques vers plus de fertilité et non pas de fertilisation. On ne confondra plus jamais la fertilisation et la fertilité. On doit tendre vers la fertilité. On doit tendre vers des bilans humiques et des bilans carbone positifs. On doit entretenir, si on a le meilleur terroir du monde, c'est le cas ici, j'imagine. Merci madame de préciser, c'est important. Donc si on a le meilleur terroir du monde, dans un territoire, dans un bassin versant, encore faut-il qu'on le conserve. Ce triptyque de l'agroécologie, c'est pour ça qu'on s'est associé quand on est rentré dans le monde de la viticulture, puisqu'au départ, nous sommes une association d'agriculteurs, travaillons pour toutes les filières, et on a mis un zoom sur la viticulture il y a 15-20 ans, je ne sais plus, peu importe. En se disant, ça sera un sujet sur lequel il y aura plein de dysfonctionnements et c'est un sujet extrêmement complexe. Donc on va s'y frotter. On va s'y frotter parce que ce sujet, il est d'une grande complexité. Entre nous, foutre une poule sous un arbre, c'est simple. Je vous le dis tout de suite, hein, et les grands-parents le faisaient déjà. De remettre plus de végétal dans une vigne, ça allait beaucoup moins. Alors du coup, ben, on observe, on va regarder. Ici, on est à gauche dans le Var. Dans une de nos unités, mais ici en conditions sèches, extrêmement difficiles, avec des épisodes cévenols où l'eau ne reste pas, on a une vigne qui arrive à envahir complètement un olivier. Alors là, on a vérifié, c'est bien un cépage donné sur un porte-greffe donné, c'est-à-dire celui qui est à côté dans la parcelle. La vigne, elle est crevarde dans la parcelle, et dès qu'elle monte dans l'arbre, dès qu'elle se connecte à l'arbre, même si avec l'olivier, la connexion n'est pas toujours immédiate, elle l'envahit littéralement. Je vous rassure, hein, on n'ira pas récolter là-dedans. C'est juste, encore une fois, les symbioses qui m'intéressent. Parce que certains disent, mais si tu plantes des arbres à moins de 3 mètres de la vigne, ça va concurrencer. Pardon? C'est pas 3 mètres, c'est pas 5 mètres, c'est pas 2 mètres. C'est est-ce que je suis capable de mettre en symbiose 2, 3, 4 plantes. Est-ce que je suis capable de mettre en symbiose ces plantes-là?
C'est sûr que si les sols sont défoncés, si les sols sont nus, si les champs mycorhiziens sont écrasés par le soleil, la concurrence est directe. En voilà une autre. Qui concurrence qui? Je ne sais pas. Alors ça, du coup, ça nous intéresse beaucoup, parce que maintenant, on le met en perspective dans les projets de pâturage tournant dynamique. On a beaucoup, beaucoup de demandes des éleveurs pour remettre des arbres, pour refaire du bocage, et pour faire du pâturage, hein, pour faire des mini-treuils pour que les animaux aillent manger, parce que tous les animaux ont coévolué avec les arbres, les vaches, les ruminants et les vaches en particulier. Donc ce pâturage tournant dynamique agroforestier, il y a une demande folle. Hein. Les deux grosses demandes dans nos métiers, c'est la viticulture et c'est l'élevage, parce qu'à la moindre bise, il n'y a plus d'herbe. Pour ceux qui sont éleveurs proches du monde de l'élevage, l'herbe disparaît très vite. Donc comment on entretient cette dynamique-là et comment on fait bouffer les feuilles, qui sont à la fois riches, médicamenteuses et structurantes pour les animaux, ben, on leur donne du frais, on leur donne de l'herbe, on leur donne, je ne sais pas, et pourquoi pas de la vigne. Balancer deux feuilles de vigne à n'importe quel animal, et puis mange dans la seconde. Il ne faut pas le dire, mais il paraît qu'il y a des hybrides faciles à reproduire, mais dans les. Il ne faut pas le dire. Mais on le fait quand même. C'est de la génétique. Alors, ici, un frêne qui pousse dans une vigne pourtant enherbée, à côté, après l'arrachage de la vigne, on voit toutes les mauvaises herbes. Ça n'existe pas les mauvaises herbes, ça s'appelle les plantes bioindicatrices. J'espère que vous connaissez les travaux des uns des autres, et notamment de Gérard Dussert, qui sont, de notre point de vue, absolument géniaux. Toute plante est bioindicatrice, toute plante nous dit quelque chose. Vous pouvez dire plusieurs choses, vous pouvez dire putain de bordel de merde, ce rumex me fait chier. Sauf que lui, il vous dit exactement dans quel état il est. Pareil, du charbon, de la folle avoine, ou d'autres encore. Si un frêne pousse dans ma vigne, comment j'analyse ça? Quelqu'un a une idée? Parce que ça arrive souvent. Alors, le frêne, la chaîne, le port. Je vous parlez fort, madame. Il a besoin de carbone? Eh bien oui, disons, on va vous garder, nous. Ah, bravo! Mon sol a besoin de carbone, de verticalité et de matière fraîche. Merci. L'analyse, elle est aussi simple que ça. Si sur une plante pérenne, vous avez une plante supplémentaire qui s'installe, c'est que votre soif, la bioindication, le sol fait lever la dormance du frêne. C'est facile, c'est une plante pionnière de réparation, de restructuration. Lui, il s'appelle le frêne extensor, le frêne élevé, c'est-à-dire qu'il crée la puissance en hauteur et la profondeur. Il nous dit ça. Ce frein, il nous dit juste ça. Alors, je ne dis pas qu'il faut le laisser à tout prix. Il est juste qu'il nous donne une indication extrêmement intéressante. Les animaux, je pense qu'il ne faut pas totalement les oublier. Là, c'est pareil. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut en mettre partout, je ne sais pas. Il ne faut pas complètement les oublier. Aujourd'hui, on ramène de la matière organique à grand frais en viticulture. Ça ne vous a pas échappé. Moi, ce qui ne m'a pas échappé, c'est que le fumier a été multiplié par 2,5 le prix du fumier. Le compost, on peut douter de l'efficacité, et on en doute beaucoup, et tous ces engrais divers et variés, y compris organiques, qui sont compliqués à mettre, qui tassent, qui compactent les sols, peut-être que des fois, ça peut avoir le coup de faire passer par une machine qui coupe devant et engraisse derrière. Cette image, elle parle aussi de fertilité, et parle surtout, le message qu'on voudrait faire passer, c'est la notion de fertilité in situ. La fertilité, ça ne s'achète pas. Je défie quiconque de me montrer qu'il a amené de la fertilité. Quand vous amenez du fumier, quand vous amenez du compost, quand vous amenez de la matière organique, vous amenez un fertilisant. Mais vous n'amenez pas de la fertilité. Votre sol, il peut être noir, mais pas avoir d'activité biologique, parce qu'un sol, ça mange du carbone frais. Ça ne mange pas du carbone décomposé. La fertilité in situ, c'est probablement un cheminement vers plus d'autonomie et de réduction des coûts de production qui deviennent dans certains cas, si je dis bêtise, vous m'arrêterez, mais qui deviennent dans certains cas exorbitants.
surtout quand les rendements baissent dus au choc climatique. Donc, dans ce plaidoyer pour l'agroécologie, on va parler de cohérence, on va parler de fertilité et on va parler d'autonomie. Parce qu'il faut être cohérent avec nous-mêmes, mais il faut être cohérent aussi avec nos buveurs, clients, copains. Quand vous faites venir du guano de l'autre bout du monde, du compost qui a fait 800 km, c'est compliqué dans le bilan carbone final. C'est très compliqué. La fertilité se crée in situ. Et c'est comme ça, probablement, qu'on va finir de vérifier ensemble. C'est-à-dire, je suis obligé de revenir pour goûter, mais je crois que c'est comme ça. Hein. C'est comme ça qu'on exprime le terroir. C'est pas le compost qui exprime le terroir. C'est la libération de la roche mère par les plantes. C'est comme ça qu'on exprime le terroir. Et les arbres ont contribué largement à l'expression de ces terroirs. On va y mettre un peu de mécanique aussi dans nos pratiques, évidemmment. Hein. Parce qu'on va réduire les intrants, on va réduire le passage, mais il va falloir faire des modifications. On est chez vos potes, là. C'est des vignes basses, c'est des vignes étroites, et ça marche. Oui, c'est compliqué, mais ça marche, et ça marche bien. L'important, c'est qu'il y en ait un qui réussisse pour qu'on le mette en perspective et qu'on dise aux autres, avec des outils qui ont été totalement, ça s'appelle Rollinset, peut-être certains d'entre vous ont entendu parler de ça, c'est pas une fin en soi, hein. Je suis pas en train de vous dire c'est Rollinset qu'il faut. C'est dans la gamme, ici, à ce moment-là, dans ces conditions-là, ça marche merveilleusement bien. C'est très économe d'arrêter le travail du sol aussi. En voilà d'autres. Une machine ici qui taille des trolls. Alors, j'ai mis la photo petite parce que ce que font ces mecs-là, c'est super. Sauf que c'est hyper dangereux et qu'il n'y a rien de réglementaire là-dedans. Là, donc, la photo est petite, qui plus est dans un lycée. J'insiste là-dessus. Je l'ai faite parce que c'était le hasard, mon cheminement. Que j'ai croisé chez gens-là qui taillaient des trognes, et sauf que, d'un point de vue, c'est une dangerosité absolue. Hein. Et c'est important de rappeler que ces accidents, ça arrive qu'une fois, mais quand on perd une main, c'est un peu dommage. Ici, on a un outil, alors j'ai trouvé ça dans l'actualité de la presse hier, ici on a un truc autonome. C'est bien, mais c'est quand même un truc qui travaille les sols. Donc ça ne résout pas le problème. Et puis là, on l'a publié récemment, on l'a remis, il y en a deux qui tournent en France, ce qui est un peu dommage à mon avis. C'est un rouleau FACA Intercept, qui est gros comme ça. Donc il passe partout. Et là, je pense qu'il y a une petite révolution qui est en train de nous arriver. Parce que le constructeur, que je n'ai pas besoin de nommer, a trouvé un truc parmi d'autres. Mais un rouleau FACA Intercept. Tout qu'on s'emmerde de plus, quoi. Haute, basse, ça passe partout. Pas à n'importe quel prix, ni à n'importe quel moment, hein, parce que ça ne peut pas marcher. Voilà les photos, vous allez les faire, oui. Donc, il s'appelle Alain Kuhn, il est en Alsace. Il a eu l'audace, il s'est planté pendant 2 heures. Bien sûr, ça fait rigoler tout le monde. Sauf que tout d'un coup, il a compris pourquoi ça pouvait marcher. Et ce qu'on souhaite, nous, c'est ça. Ce qu'on souhaite, notamment dans notre unité de la belle ville, c'est juste que chacun mette à disposition ce qui se passe. Et là, on avance. Dans ce contexte que vous avez judicieusement rappelé, on avance un peu plus vite. Parce que là, c'est une course contre la montre. Ça ne nous a pas échappé. C'est une course contre la montre. Parce qu'on est tous pareils. On veut continuer à avoir de bons canons, bien en quantité, n'est-ce pas? Alors voilà d'autres images que je n'ai pas besoin de commenter. C'est l'idée de permettre aussi à chacun d'essayer ce qu'il veut jusqu'au bout, d'assurer le risque aussi. Ok, tu essayes sur 2000 m², on trouve un système qui assure le risque parce que tu en prends, parce que ça ne marche pas à tous les coups. Et quand ça fonctionne, puis j'ai remis ces pratiques d'allongement sur lesquelles on travaille de plus en plus. Ce ne sera pas celle qu'on va produire que quoi que, qui sait. C'est donc jamais. Vous voyez, ici aussi, je parlais du frein spontané, et je voulais montrer avec un vigneron. Ici, ça c'est chez nous, c'est la luzerne d'Arabie qui s'installe toute seule sur le rang. Ça tombe bien, si c'est pas versé, elle crève au mois de mai et qu'il fait un peu chaud. Elle fait un joli paillage, et en plus, c'est une légumineuse.
je ne sais pas si il y a beaucoup d'audace, mais d'essayer de voir ce qui se passe. D'essayer de voir ce qui se passe et de ne pas faire contre les plantes, mais avec. On a remarqué que les plantes, en chimie, on en a fait 60 ans. En mécanique, on en a fait 3000 ans. Il y en a toujours autant. De plus en plus, il y en a même eu, j'espère qu'elle ne vous arrive pas. Ça s'appelle le Natura. C'est une plante d'une dangerosité absolue. Je dis pour les jeunes, si vous avez envie, vous en prenez deux graines et vous voyez des agrafaros pendant 3 semaines. Quoi. Je déconne. Natura indique une pollution aux métaux lourds des sols, notamment. Donc, sa bioindication, elle est sévère. Et elle apparaît dans les vignes à vitesse grand B. En conditions sèches, là, on est à nouveau dans le Var, parce qu'il paraît que dans le Var, on ne peut pas faire des couverts végétaux. Et puis, on se balade, tiens, montre-moi la parcelle-là. Ah ben oui, je vais planter la vigne l'année prochaine. C'est bien, tu l'as réussi, ton semis de foie à voile. Alors, le mec, il rigole pas. Sauf que sous la foie à voile, au mois de juillet, dans le Var, je trouve une fraîcheur. Quand à côté, les sols sont nus, travaillés, et là, on est avec des formes de retrait de 3 cm. En viticulture, on a mesuré 24 mots MAUX. On en a mesuré 24. La battance, la compaction, l'érosion, le dépérissement, l'ESCA, dont on ne sait toujours pas vraiment ce que c'est, la mortalité, les baisses de rendement, les chocs climatiques, la baisse de la biodiversité, la pollution de l'eau, le contexte socio-économique, le contexte sociétal, les voisins, le consommateur, 24. Sauf qu'on a mesuré aussi que tout le monde en avait 17. Quelle que soit la viticulture que l'on pratique, on a 17 problèmes de niveau 1. Et ces 17 problèmes de niveau 1, bizarrement, quand on leur met une case agronomique, on trouve des éléments de réponse. Pour l'instant, nous n'avons pas trouvé le vigneron qui avait moins de 17 problèmes. Ça, c'est l'emploi aussi, hein. La main-d'œuvre, etc. La pénibilité. Les cahiers des charges, etc., etc. Vous connaissez cette plante? C'est très bon avec du parmesan. Le pourpier. Vous n'en avez jamais vu, j'espère. Le pourpier, c'est le stade juste avant le désert. C'est une plante grasse qui couvre le sol et qui récupère. Concentre l'eau et qui protège le sol du rayonnement. Le pourpier, c'est juste avant le désert. Je vais pouvoir faire du pesto. Hein. Non, ça veut dire aussi qu'il faut. C'est pas une attaque à charge, hein. C'est un constat agronomique étayé, je crois. Par contre, ici, il n'y a pas de pourpier. On est sur des vignes basses, étroites, en Champagne en l'occurrence. Hein. Et ici, il y a un sol marceau qui a poussé au pied de la vigne, et le vigneron, même si ça fait rigoler tout le monde, il a laissé, il y en a plusieurs, bien évidemment, là je vous mets un zoom, mais ça fonctionne. Ça fonctionne parce que l'arbre est taillé, ça fonctionne parce que l'arbre est connecté, et que, comme vous le voyez, il y a du carbone frais posé au sol. Il y a des couverts végétaux, il y a des feuilles, il y a des sarments. Alors là, évidemment, il y a de la biologie, donc tout ça s'est mangé au fur et à mesure. Et ça fonctionne. Est-ce qu'il faudra le laisser perpétuellement? Peut-être pas. Moi, j'ai l'habitude de dire quand un arbre n'est plus à sa place, on l'enlève. C'est ça aussi, l'agroforesterie. Comme hier, j'avais un très grand spécialiste de la biodynamie qui me dit « Ouais, mais tes grands arbres dans les vignes, qui t'a parlé de grands arbres ?» C'est toi, pas moi. Qui t'a parlé de grands arbres? Un arbre, en vigne, c'est un outil de production, rien d'autre. C'est un outil de production. Il n'est plus à sa place, on peut l'enlever. On est bien évidemment allé chercher un petit peu partout, parce que de l'importance pour les uns pour les autres, de l'importance de préciser que la règle agronomique en viticulture, c'est la même qu'en grande culture, c'est la même qu'en prairie, c'est la même qu'en arbreau, c'est la même qu'en culture spécialisée de tout ce que vous voulez et en maraîchage. C'est strictement la même, là, la règle agronomique. Et heureusement, c'est la même partout dans le monde. Donc, ce que va trouver un éleveur, ça peut servir à l'agriculture. Ce que va trouver un céréalier, ça marche. Pourquoi je vous montre cette image, madame? Je vous écoute. Je pense parce
y a du paillage. Oui, et du coup, s'il y a du paillage, ça rejoint ce que vous direz. Oui, il va y avoir du carbone et une activité biologique. Voilà, merci. Je crois que vous avez, on vient de produire une BD sur la reforestation, je vais vous la donner. Je vous montre cette image parce que ça, c'est des paysans qui l'ont réussi avec leur technicien, peu importe. Mais le produit fini, c'est toujours un paysan qui fait le boulot. Nous, on ouvre nos gueules, mais le paysan, il fait le job. Il n'est pas d'accord. Le Beaujolais, ils sont venus en France quand même aujourd'hui. C'est bien les échanges culturels. On adore. Je vous montre cette image parce qu'ici, vous entretenez la vie 365 jours par an. Ce carbone, il est là pour entretenir la vie. Si vous faites une rupture de vie pendant 130 jours, c'est compliqué pour le sol. Le sol, ça mange du carbone frais tous les jours. La ration du sol, c'est quelque chose qui est extrêmement important. On a un peu oublié, parce que, disons-le, quand les sols sont riches, quand ils sont bien pourvus, on ne voit pas qu'il y a ces trucs. C'est maintenant, hein, ces chocs climatiques, ça élimine. Ça... Moi, je suis fils de paysan bio. La bio a commencé en 69. Chez mes parents, on a bousillé les sols comme tout le monde. Quand vous partez d'une prairie, vous cultivez sur une prairie, puis vous remettez de la prairie. Sauf qu'en ville, on est un peu en monoculture, parfois. Donc, cette image, elle nous dit que là, vous avez la meilleure technique de désherbage du monde. Puisqu'ici, le sol a eu sa ration de carbone. Ouais, il y a peut-être un pissenlit qui pousse là, qui va se faire dépasser par le soja frais. Ici, vous avez la meilleure technique de désherbage qui puisse exister, puisque le sol ne va pas créer de levée de dormance et de système de réparation. Il a tout ce dont il a besoin. Ben, quand on sort d'un banquet, quand on sort d'un repas de vigneron à la fête de la fin des vendanges, on va prendre le principe, on n'a plus faim, je ne sais pas, on dirait, on peut essayer à midi. Le sol, il a eu sa ration de carbone, là, il a eu ses 28 tonnes de carbone ramenées à l'hectare par an. Il ne va pas exprimer un charbon, puisque de toute façon, il n'est pas compacté. Il n'a pas besoin d'une plante de réparation, il n'a pas besoin d'une plante pionnière, il a tout ce dont il a besoin. Donc cette modeste image, elle nous dit tout ça. Donc, du coup, ben, on pèse, on mesure, on vérifie, on calibre. Hein. Quand je parle d'indicateurs de résultats, les indicateurs de résultats, il y en a 25 à peu près. Même si le carbone est en premier lieu, si tous les intrants, tous les passages, tout ce qu'on peut mettre, etc. Les pesées de biomasse, la méthode MERCI, vous connaissez probablement, hein, fait permettre une entrée en matière hyper, hyper intéressante. Puis, vous avez des plantes qui fleurissent, qui nourrissent la rhizosphère, qui nourrissent qu'on appelle la biodiversité, cette politique, c'est bien celle de la fertilité in situ, mais de la biodiversité sur chaque mètre carré de vigne. La biodiversité doit être exprimée sur chaque mètre carré. Si la biodiversité est dans un coin de marais avec les vaches à poils longs, ça ne fait pas la vie du sol au milieu de la parcelle. On a trois coins parce qu'on a mis ça et ça. La biodiversité, c'est le moteur de la productivité qui plus est en vigne. Il ne faut pas voir la biodiversité comme une contrainte. La biodiversité, c'est une opportunité parce que c'est le moteur de la productivité. La biodiversité, vous l'avez là aussi. Il y a plein de formes de biodiversité, bien évidemment. C'est important. Quand il y en a un qui ne marche pas, on en prend un autre. Dans le projet agroforestier, on va regarder les composantes de l'agroforesterie. Les arbres isolés, les bouquets, les bosquets, les ribicides, ça parle à tout le monde, la ribicide. Formation boisée de bord de cours d'eau. Hein. On va regarder les alignements intraparcellaires, on va regarder les haies, on va regarder les trognes. Les trognes, c'est bon pour tout le monde, les arbres têtards. J'ai amené un petit livret, s'il n'y en a pas pour tout le monde, j'en ai d'autres. C'est l'année perpétuelle des trognes, parce que c'est une forme du passé, mais qui est probablement une forme d'avenir. Là, voilà la trogne. Volontairement sans les racines. La trogne, elle est là pourquoi ? Elle est là parce que c'est un objet parmi d'autres, mais elle est là parce qu'elle produit du bois sans cesse, elle produit des microclimats, elle produit de la biodiversité, elle produit de l'eau nouvelle qui n'a jamais coulé sur Terre, elle produit des paysages, elle produit des services incroyables, et surtout, puisqu'on est capable de la tailler, de la réguler, elle est sans contrainte. Dès que l'arbre est un peu trop grand,
Peut-être que l'arbre est là pour éviter le gel, peut-être que l'arbre est là pour éviter de crier à 16h30 en fonction de l'exposition. Mais à un moment donné, il faut retrouver, une fois de plus, la juste quantité de lumière. Donc, la trogne est un outil d'aménagement. Vous comprenez au grand bien deux formules, une d'Arcis sur cœur qui dit « Partout elle peut, la terre appelle les arbres. » Partout elle peut, la terre appelle les arbres. Quand on comprend ça, on dit qu'il en faut du carbone. La deuxième, c'est de dire que l'arbre, avec rien, il fait tout. Le problème, il est dans l'atmosphère. Et nous, si on est capable de faire passer le CO2 au sol, ça devient une solution. Ça devient une solution. Et c'est là que ça se joue. C'est gratuit. C'est pas cher et ça peut rapporter gros. Avec des modalités de gestion bien précises, j'insisterai jamais à ce. Donc cette palette du végétal, la voici, la voilà, elle est pas complète. La palette du végétal, bien évidemment, c'est de connaître dans le projet ce que je vais pouvoir planter, à quel moment, dans quelles conditions. J'ai vu plein d'érables champêtres par ici, c'est une plante qui a coévolué avec la vigne. L'érable champêtre et la vigne ont coévolué. C'est pas pour ça qu'il faut avoir partout, hein. Mais c'est intéressant. C'est intéressant. Donc une palette, un choix, des végétaux qui sont compatibles ou pas avec la vigne. Parce que certains ne le sont pas, ou difficilement. Je vous passerai le détail de la lisière de chêne, en premier, vous ne récoltez rien, clairement. Donc là, il faut le traduire et l'orienter. Des surprises aussi. Dans notre boucle de l'agroforesterie, on n'oubliera pas les vieux arbres, on n'oubliera pas le bois mort, on n'oubliera pas les ronces, on n'oubliera pas les arbres morts, je l'ai dit, pardon, et on n'oubliera pas les lierres. Pas d'agroécologie sans lierre. Pourquoi d'après vous? Il y a une trentaine de raisons, je vous en demande deux. Madame, quand je plaisante, on va laisser bosser les autres. Vous avez une petite idée, c'est assez simple. Hein. C'est une plante qui ne fait jamais mourir les arbres, contrairement à ce qu'on peut voir encore, jamais, strictement jamais. Il fructifie, il fleurit à contre-saison. Merci, monsieur. Il fleurit à l'automne. Pour nourrir tous nos auxiliaires de la vigne, il n'y a rien de mieux. Je le dis maintenant, la vigne qui n'a pas besoin d'être fructifiée, à des raisins plus gros et plus réguliers quand on voit passer les pollinisateurs. Personne ne sait l'expliquer. Et puis, de toute façon, avoir des vignes dans lesquelles il y a des abeilles qui viennent, à mon avis, pour le méchage sociétal, c'est hyper intéressant. Le fait que cette plante fructifie en fin d'hiver, elle va nourrir toute une partie de la faune sauvage, et notamment un auxiliaire énormissime que vous connaissez bien, pour la vigne qui s'appelle la chauve-souris. C'est une plante persistante, hein. Et vous voyez, elle est broutée, pâturée, dans laquelle beaucoup de monde peut se cacher, peut se nourrir, etc. Donc le lierre fait partie de cette boucle-là. Il est indispensable. La génétique pour l'agroforesterie, c'est aussi le sujet. Parce que ça bouge et que ça bouge vite. Il y a un label qui s'appelle Végétal Local, régions provenance, des pépiniéristes engagés, une connaissance fine, une récolte diversifiée sur des plaques plus sèches et plus difficiles que celles sur lesquelles on va mettre les arbres. Hein. Ici, on va ramasser en haut, là où c'est sec, dur et compliqué, pour mettre un peu plus bas. Par exemple, je fais schématique, c'est un peu plus complexe que ça. Mais quel érable champêtre je vais planter, vous n'avez pas intérêt à planter un érable qui vient de l'autre bout de la France, même si les champêtres, pour toutes les raisons que vous imaginez. Donc la génétique, c'est un gros, gros sujet qui est pris au sérieux aujourd'hui. Il y a la conformation, il y a l'origine, le mode de production, le type de sol dans lequel on va produire, la diversité de ces plantes. Regardez, chez nous, par exemple, ça occupe un poste habitant. Moi, j'ai une salariée habitant qui ne fait que récolter, préparer. Des rosacées, des champs mycorhiziens qui sont adaptés à l'aridité et à la connexion avec la vigne, ça ne vous a pas échappé. Ici, même si c'est difficile, vu le choc, mais le bûcher de vigne, quand on y a goûté, on s'en souvient. La pêche de vigne, n'est-ce pas? La pêche de vigne est une autre
pour faire un petit peu d'acculturation, qui est un bois d'œuvre qui vaut très cher. Même si, de mon point de vue, on ne plantera pas des arbres dans les vignes pour faire du revenu avec ces arbres-là. Pas se tromper de sujet. On aura des pêches, des pommes, des poires, du bois ramel fragmenté, du bois énergie, tout ce que vous voulez, des pies de pied, de mûrisier, de poirier. C'est dans 40 ans quand même. Donc survendre un projet à 40 ans, je préfère qu'on mette l'arbre comme outil agronomique. Le reste, ça sera du capital. Le reste, les pêches, les poires et la biche de bois, ça sera un intérêt complémentaire. Ici, la lisière terminale, s'il y en avait, ça vaudrait 7, 8, 9 000 euros le mètre cube. On l'appelle l'arbre aux grives. Ses baies, ses fleurs, ses fruits, c'est bien évidemment à notre service pour nous et pour attirer cette biodiversité. On doit faire circuler les champs mycorhiziens, mais on doit faire circuler les oiseaux. Une vigne qui se porte bien, c'est une vigne qui chante l'oiseau. Puisque les oiseaux font pousser les plantes. Éventuellement, on va sortir un parasite en passant. Des formes particulières, des formes orientées, élaborées, étayées, structurées dans ces formules d'agroforesterie. Mais on trouve aussi des vignerons optimistes qui sont capables, contents de vous montrer une mode de terre hyper perforée par des vers de terre. C'est aussi simple que ça. Et puis là, j'avais fait bosser un groupe de jeunes, les vignerons du vivant, sur tout ce que pouvait faire un arbre. Finalement, ils sont allés plus loin que nous. Donc c'est intéressant, c'est un carburateur de la vie, un tuteur, un accompagnateur, un perforateur, un isolateur. Il y en a même un qui m'a dit ambianceur, pour déconner, mais oui, ça crée une ambiance hyper favorable, vous n'êtes pas sans savoir que les arbres nous mettent de bonne humeur. Quand on les touche, les arbres transfèrent une énergie hyper intéressante. D'ailleurs, je vous invite, je ne l'avais pas vu jusque-là, je ne sais pas s'il sera disponible de diffuser, un certain Ernst Zürcher, dont on a publié le bouquin que j'ai ici, qui s'appelle « Les arbres entre visibles et invisibles », et le personnage central d'un film qui s'appelle « La puissance de l'arbre », que je vous invite, tu l'as vu, à voir, qui est fabuleux. Fabuleux parce que c'est un film de la proposition, mais juste avec des médecins au milieu des bois, qui montrent que le rythme cardiaque est modifié quand on est dans les bois. Sans parler des autres aspects. C'est hyper intéressant, qui plus est, pour les jeunes, puisque nous les vieux, on a un peu pété ce monde, maintenant il faut le reconstruire. Et le reconstruire avec des plantes, ça peut être pas mal. Quelques pièces, j'en ai nommé. L'arbre fruitier, donc là vous avez les pièces, les pièces du puzzle. Tous les projets sont différents, chacun a un projet qui lui convient, en connaissant les principes et les pièces. L'arbre fruitier, la fameuse trogne. La trogne basse, intéressant, très intéressant à tout point de vue, et puis l'arbre qui fera peut-être du bois d'ordre. En tout état de cause, quand vous regardez ces formes, alors on peut rajouter quelques lianes, chez Brefeuille, on peut rajouter quelques arbustes, je vous ai mis les formes principales. Ce que vous voyez naturellement, c'est que toutes ces formes sont élaborées par le paysan. Il n'y a rien de naturel là-dedans. C'est toujours taillé. Ici, j'ai bien une angulation qui fait que j'aurai la quantité nécessaire de lumière pour faire fructifier ma culture, quelle qu'elle soit. Je vous en ai mis quelques autres complémentaires ici. Forme en espalier, qui peut se faire aussi sur d'autres plantes. Avec des porte-greffes magnifiants, ici le merisier, ici le pêcher. Je l'ai montré, je le remontre, il y aura un travail important à faire sur la conformation des plants, ici la vigne et les systèmes racinaires. C'est un travail qu'on a engagé avec certains pépiniéristes, auquel il y a une petite réforme, un petit ajustement à faire, parce que ce pivot disparaît. Pose un certain nombre de problèmes et je ne sais pas, moi je ne suis pas vigneron, mais certains disent que c'est après 15 ans que ça devient bon. Sauf qu'à 15 ans, ça commence à crever. Vous voyez ce que je veux dire?
Donc là, il faut qu'on fasse ce travail, qu'on le fasse ensemble, qu'on en discute, qu'on regarde. Parce qu'un pivot, quand on modifie un pivot, ça se passe mal. Ça pousse bien, c'est spectaculaire, etc. Mais le résultat fait que les racines de la vigne, elles ne sont pas faites pour s'autodétruire, donc elles se strangulent, donc elles se bloquent. Vous avez des morts subites, parfois, je ne sais pas si ça vous arrive, hein, dû à cette impossibilité de circuler normalement. Et souvent, on accuse la greffe, et ce n'est pas toujours le cas. Je ne vais pas développer ça, c'est un sujet complexe, particulier, mais on le met en alerte, on le met en proposition, parce que la génétique, on ne peut pas trop la modifier. Des plantes, toujours, et encore, vous voyez ici, un jeune plant d'érable champêtre, ça tombe bien, j'en parlais, un jeune plant c'est 30, je reste ici, désolé, un jeune plant c'est 30-60. Si vous plantez des arbres de 2 mètres dans vos vignes, ils ne pousseront jamais. Un jeune plant c'est 30-60, en racine, en végétal local, planté décembre, janvier, février. Il y a 10 règles pour planter un arbre, jamais de labour, jamais de rotamator, etc., etc. Donc de l'importance que de ces règles-là. Un arbre qui a un système racinaire, étayé, déployé, une conformation, une taille au collet, etc., etc. Et une capacité à faire de la photosynthèse. On ne dira jamais assez, ce sont les feuilles qui construisent les racines. Quand vous plantez un arbre de 2 mètres de haut avec 3 bouts de branches, c'est insolation sur le tronc, c'est 90% des racines qui sont restées en pépinière, et c'est hyper... de temps incroyable. De l'importance que de planter petit. Ça pousse beaucoup plus vite. L'essai est vite fait. Vous prenez un arbre grand, vous prenez un petit, 3-4 ans après, le petit a rattrapé le grand. Alors, ponctuellement, devant le chai, devant la mairie, devant la maison et devant l'école, on voit un tilleul qui fait 2 mètres, ponctuellement, mais en plein vent, en plein soleil, en plein choc. C'est extrêmement compliqué dans toutes les régions. Et au-delà du fait que ça coûte cher, un arbre, ça ne s'arrose pas. Un arbre, ça s'engraisse pas. Jamais de trou, jamais de terreau, jamais de compost et jamais d'arrosage à l'alimentation. C'est le pire des trucs qu'on puisse faire, c'est d'arroser un arbre à l'alimentation. Et de mettre du terreau dans le trou. On y reviendra, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce qu'on veut qu'un arbre, ça se débrouille, que ça crée le sol sur lequel on le met. De l'importance que de bien le choisir. Quand je disais que les mycorhizes font les courses, ici, la représentation de cette plante, le système racinaire ne représente que 3% de ce que vous voyez. Les mycorhizes multiplient par 1000 à minima la capacité des plantes à aller chercher de l'eau, à aller chercher du phosphore, de l'azote, du carbone et tous les éléments nutritifs. Donc la vigne de demain sera mycorhizée ou pas. On peut changer les cépages, on peut changer les pratiques, on peut les arroser les vignes. Si elle n'est pas mycorhizée, elle ne tiendra pas le choc climatique. Parce que quand elle est mycorhizée, quand elle est mise dans les herbes, quand elle est protégée, quand elle est accompagnée de végétal, elle est moins sensible au chaud, elle est moins sensible au choc, et elle est moins sensible au gel. Une vigne en réserve, avec un sol avec une forte activité biologique, et un environnement qui lui convient, est moins sensible au gel. Je n'ai pas dit qu'elle n'était pas sensible au gel. Hein. Elle l'est moins. Et c'est ce tiroir de pratique qu'on vous propose de mettre en évidence. Dans le Var, j'y reviens, désolé, je parle du Var aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais on a sondé un certain Stéphane Rény, dans une coopérative, a sondé des vignes couvertes, noyées dans les couverts végétaux, 8 degrés d'écart. 8 degrés d'écart, c'est-à-dire qu'on a fait contre-vérifier, parce qu'on pensait que les sondes n'étaient pas mal étayées, chaudées, je ne sais même pas comment on dit. Une vigne complètement noyée dans le couvert, 8 degrés. C'est une piste qui me paraît intéressante parmi d'autres, mais c'est une piste. On continue à travailler. Et puis, les infos qui remontent tous les jours donnent cette tendance-là. Ça coûte moins cher que des gros appareils.
la notion de biodiversité, hein, de microclimat, de sol, d'eau, de biodiversité, elle est liée, je reviens pas dessus, elle est stratégique. Elle est stratégique, et ça tombe bien, elle est à notre service. Beaucoup de problèmes de battance, beaucoup de problèmes de compaction, beaucoup de problèmes d'hydromorphie dans les vignes, de plus en plus en tout cas. La vigne déteste le vent, mais il déteste encore plus l'hydromorphie de mon point de vue. Hein, donc cette verticalité du carbone, cette verticalité du ver de terre. Clairement, c'est un ambassadeur dont on pourra difficilement se passer. Dans l'indicateur et dans l'état des lieux, il n'y en a pas. Ils sont jeunes ou pas, ils sont telle et telle famille, etc. etc. Le ver de terre, c'est le nom de notre unité de diffusion des savoirs que vous connaissez probablement, qui s'appelle ver de terre production. Un petit peu stratégique, Marcel Boucher qui a écrit ce magnifique livre, que je vous encourage à lire aussi, le dit avec des plantes, des vers de terre, des microbes, des micro-organismes, des bactéries, des champignons. Les vers de terre sont l'interface. Les vers de terre construisent le système racinaire de la vigne et la rhizosphère qui la nourrit. Alors ici, on est en Alsace. Non, j'ai fait des photos hier soir, mais comme je les ai un peu mélangées. Donc, dans le projet, je suis encore dans les temps ou pas, parce que je suis presque au bout. Hein. Et dans le projet agroforestier, on va travailler le mètre carré. Ça, c'est l'invitation. Chaque mètre carré de sol doit voir passer des oiseaux, des chauves-souris, des vers de terre, de la biologie, des mycorhizes. Mais c'est aussi un projet de terroir et de territoire, bien évidemment. Au-delà du bassin versant. Ici, c'est extrêmement riche. Ici, c'est extrêmement riche. Là, c'est extrêmement sec. Là, c'est extrêmement humide. Ben oui, il faut qu'on reconnecte tout ça. Parce que le réservoir de biodiversité est là. Le réservoir de gènes, le réservoir de solutions face à l'aridité. Peut-être que la solution face à l'aridité, peut-être qu'on va inoculer au milieu de la vigne ici, un truc, je l'appelle volontairement un truc, qui est dans un arbre qui est ici en haut, face à l'aridité. Les micro-organismes, les bactéries, les champignons, ça fonctionne comme ça. Les oiseaux les transportent beaucoup. On regarde aussi les migrateurs. Qu'est-ce qui nous ramène du chaud? Qu'est-ce que les migrateurs ramènent du chaud au service de la vigne? Plein de choses super intéressantes si on sait les entretenir 365 jours par an. Mais on a peut-être la solution ici, ou peut-être ici en bas, ou peut-être dans la rivicile. Je rappelle pour mémoire que la vigne est née dans la rivicile. La vigne est une plante de rivicile comme le houblon. C'est une plante qui est née au milieu des aulnes, des saules, des frênes, des érables champêtres, des cornouillers, des vianques, des églantiers, etc., etc. De l'importance d'avoir cette approche du territoire, et vous avez un territoire, de ce que j'en ai vu en tout cas, riche, cette reconnexion, certains parleront de trame verte, de trame grise, de trame bleue, enfin nous on s'en fout, on veut faire de bons canons, mais c'est quand même la même chose, c'est pas la contrainte. Donc, les objets, ils sont présents, restent à cultiver, entretenir la vie ici, au milieu des parcelles. Du coup, on trouve des formes un petit peu particulières. Alors ça, c'est à 175 mètres de cette salle. Donc c'est bien, vous avez tous les éléments. Donc ça, c'est une mini-trogne. C'est un mix entre une mini-trogne et une plesse. Le truc le plus incroyable, le plus important pour la vie. Bon, c'est un peu taillé à la salaud, comme on dit, mais c'est pas grave. Ça reviendra. Hein. Là-dedans, c'est bourré de vie, c'est bourré de nids. La mésange, il doit avoir 17 couples de mésange par hectare. Ça tombe bien, il y a là dans la qualité de cette mini-trogne. Et il y a les éléments, les ingrédients sont là. Ce bois déchiqueté, un jour il ira en haut du coteau pour relancer l'activité biologique. Si je fais un résumé, cette mini-trogne, elle produit de la biodiversité, du microclimat, du sol, du paysage, de la matière première, protège la vie et crée de l'emploi.
elle toute seule comme ça, qui ressemble strictement à rien. Pourtant, elle est là. Donc c'est très inspirant. Elle est en bordure, mais c'est très inspirant parce qu'elle est là, parce que l'objet est présent. En dessous, vous le voyez, il y a un muret. Si vous voulez une double interface, et juste de l'autre côté, il y a l'eau. Si vous voulez un milieu riche, vous l'avez. Ce sont des ingrédients qui sont hyper présents. Reste à les travailler, à les amplifier. Désolé, c'était une photo d'hier soir, donc la qualité, la prog, elle est là. La chauve-souris, elle est là. Elle n'attend plus qu'on lui dise bon, redescend, par là-bas, elle repart. Elle est là. Le bâtiment, je ne reconnais pas bien ce que c'est, mais ça ne doit pas être loin d'ici. Donc tout est là. Tout est là. Les caisses, c'est bien, les caisses sont là, elles sont présentes. De l'hyper-importance de ce milieu, qui d'un point de vue de la carte postale, pourrait dire, ouais, ça ne ressemble pas bien à grand-chose. Il y a une espèce de vieille trogne de sol blanc, là, à moitié couchée, qui pousse des sureaux à l'intérieur. C'est que l'arbre crée de la fertilité, et puis, vous voyez, sauf que là-dedans, il y a un réservoir énormissime. J'entends bien, ça gêne personne. C'est fait pour, je serais tenté de dire. Et ces réservoirs, ces micro-réservoirs, ils sont à notre service. Mon collègue Hervé Comès nous parle toujours du très vieil arbre. Du très vieil arbre, là, ici, c'est un sol. Du très vieil arbre qui a imprimé des gènes de résistance. De tous les problèmes qu'on a pu avoir, ils les ont imprimés. Et ces problèmes, on les a en ce moment, sauf qu'on les a tous les ans. Et ces plantes ont imprimé ça. Reste à le dupliquer. Le très vieil arbre, c'est la pierre angulaire de la reconstruction agroécologique aussi. Je passe rapidement sur les formes, sur les usages, sur les densités, sur les qualités, c'est pas le sujet. Vous voyez la mini-trogne, la mini-trogne permet d'enjamber, mais elle impulse ici des informations absolument fondamentales et elle connecte la vigne. Jusqu'à ce que la vigne, comme elle s'échappe dedans, elle soit nourrie par l'arbre. De la concurrence à la concurrence. Avec des règles très précises pour y arriver. Ça ne se fera pas tout seul, bien évidemment. Un projet parmi d'autres, je vous montre celui-ci. Je le montre parce qu'il est vraiment fait par des vignerons. C'est un projet à étapes, de la régénération naturelle, de la plantation, des haies fruitières, etc. Et surtout ici, un coteau, en Savoie en l'occurrence, un coteau hyper soumis aux brûlures de l'Ouest. Donc, côté de l'agroécologie, prévenir, produire, protéger, paysager, trouver le geste qui va bien. C'est probablement un projet dans lequel on retrouvera peut-être des alignements d'arbres dans la parcelle un peu plus tard. C'est une première étape. C'est une première étape acceptable sans modifier quoi que ce soit. Est-ce qu'on perd tous les ans un peu beaucoup ou est-ce qu'on se met en méthode de prévention? Pour l'instant, nous étions dans une agriculture et une viticulture de la réparation. J'en fais partie. Nous devons, j'espère, ensemble, nous inscrire, dans une viticulture de la prévention et de la vision transversale, le carbone étant le chef d'orchestre de l'opération. Si vous essayez de réparer la biodiversité, vous cassez la gueule. Si vous essayez de réparer l'eau, vous cassez la gueule. Il faut avoir un programme, l'état dans lequel on est aujourd'hui. La DDT n'est pas là, on peut le dire. Mais je plaisante, on est tous concernés. On a essayé de réparer l'eau, vous avez besoin de l'état. On a essayé de réparer la biodiversité. On va essayer de réparer le climat. Vous voyez les conneries qui crient le GIEC en ce moment. Il y a des gens qui vont nous inventer des machines pour capter du carbone. Il suffit qu'on mette les bonnes plantes au bon moment, on gardera la productivité dans les vignes. Voilà quelques exemples qui marchent pas. Ici, on est beaucoup trop loin. Alors, beaucoup de sols nus, ça marche pas de collection, on est beaucoup trop loin de vignes. Ça, c'est... Les photos sont vieilles et c'est quasiment nos premières plantations. Mais on avait peur, les viticulteurs et nous avions peur, mais c'est normal d'avoir peur. Il faut essayer. Depuis, ça a un peu changé. Et ici, on est sur le rang. Donc, ce rang est abandonné à la mécanisation. C'est pas grave. On le vendange,
à la main avec les copains le samedi matin, et après on fait la méchoune, puisqu'il y avait des moutons avec nous. Et là, pour le coup, manger de la viande, ça sauve la planète aussi. Donc on ne dira plus la viande, on dira la viande de l'agroécologie et les sols vivants. Voilà, en résumé de résumé, fait par certains de nos élèves, on tient en difficulté, on intègre, et autour de la ville, mais ça marche tout tonnerre, les gens qui sont sans emploi et sans avenir, le paysage, l'eau, le sol, la belle vie, du bon vin, des bons vivants, à la santé de l'âme, plus de vie, et puis on est toujours d'accord pour mettre un verre de terre, un verre sur la table, pardon. Évidemment, partager un verre, c'est ce qu'on va faire, j'espère que c'est prévu. J'ai vu que dans le budget, il y avait 408,99, ça j'ai compris, c'était ma paye. On m'a fait faire un devis avec 99. Exactement. Voilà. Donc, à la santé de la biodiversité, et pour que les choses soient bien claires, je vous ai mis deux photos modestes. Alors ici, du coup, j'ai un peu trop réduit. Ici, il y a une abeille. Donc ça, c'est un vrai sujet, puisque ça fait 4 ans qu'on récolte moins de miel que ce qu'on donne de sucre aux abeilles. Donc ça, c'est très inquiétant. C'est pas normal. Vous savez que pour être en forme, il faut boire ça. Du coup, je l'adapte aux régions, hein, évidemment. Pour être en forme, il faut boire du magot, du vinaigre de cidre, du miel, de l'ail, du magret agroforestier. Je suis à Madiran, je dis que c'est de Madiran, mais c'est pas grave. C'est l'important, c'est la diversité, n'est-ce pas? Donc ici, il y a une abeille et du miel. Et puis ici, il n'y a pas d'abeille. Il n'y a pas de plantes. La traduction de ces deux images, il faut que les choses soient claires. Hein. Ils écoutent quand même. Tu as une bonne classe là. C'est bon. En haut, ils jouent aux cartes, mais bon, c'est pas grave. Que je vais vous montrer sur cette image, qui n'est pas une attaque en règle, mais qui est un constat, parce que nous, on est hyper sollicités pour ce genre de truc-là. Parce que c'est bon, le vin est bon, mais les rendements sont en chute libre, et les intrants sont comme ça. Alors, globalement, ça peut être très bon, hein, pour des raisons diverses et variées. Ce n'est pas une attaque en règle, mais il est important de se dire les choses, surtout au lancement d'un projet aussi ambitieux et pertinent que vous allez mettre en place. Ces deux parcelles sont en biodynamie. Sauf que ça, dans l'appellation calibrée agronomie, ça s'appelle un désert. Comprenez pourquoi l'agroécologie n'échappe à aucune forme d'agriculture et d'horticulture, il me semble en tout cas. Parce que quand ça s'appelle un désert, ça coûte très cher à remonter, à faire vivre la structure. C'est bourré de réparations permanentes, de poudre, d'indications, d'indicateurs, de chiens, de leviers, de levain. Ce n'est pas une attaque en règle, c'est juste que ça ne fonctionne plus. Voilà, mais merci pour votre attention, ça vous termine.